Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur WCW Nitro. On est revenu à la WCW, et pas avec n'importe quel jeu, puisque c'est, je pense, oui, si je me rappelle bien, c'est bien mon premier jeu de catch sur PlayStation. Je me souviens avoir à l'époque emmerdé mon père à avoir fait des magasins pour pouvoir retrouver donc du coup WCW Nitro quand il était sorti. C'est le premier jeu également édité par THQ, quand on sait ce qu'ils ont fait par la suite. Voilà, là c'est un match de démonstration, donc là vous découvrez un petit peu le bousin. Hein, vous découvrez donc du coup ce bon vieux Sting là, qui porte un magnifique Hurricane Rana sur la Miss Cottle. Mais on veut jouer nous aussi, Sturi, presse n'importe quel bouton. On veut se rendre dans la game. On veut vous faire partager un petit peu nos sensations, tout ce qu'on a aimé avec ce jour, avec les explosions, avec la descente de la cuisse. Oh, c'est viril, c'est beau, on est bien. WCW Nitro, il reste quand même un peu limité ce jeu, puisque vous allez voir à peu près tous les catcheurs ont le même moveset. Il y a juste une différence entre les poids lourds et les poids moyens vis-à-vis de certaines prises qui peuvent être portées. Et par la suite, vous avez donc du coup des attributions différentes en fonction donc du coup des personnages qui ont chacun trois moves spéciaux. Alors les moves à l'époque, ils s'exécutaient tout simplement avec des combinaisons de coups, de touches qui sont pas forcément trop compliquées. Parce qu'à l'époque, si je me rappelle bien, c'était des combinaisons du genre carré-carré X, X-rond X, voilà. Triangle, triangle rond, tu vois, amusez-vous, on est bien, on est chaud, on est frais. J'ai pratiqué, voilà, vous aviez un roster de base qui était de 16 catcheurs, totalement cool, avec Hollywood Hulk Hogan, The Nature Boy Ric Flair, Sting, Lex Luger, oh yeah, Lex Luger, qui sent sa chaise roulante, incroyable, l'Alex Wright, le Macho Man Randy Savage, Dean Malenko, mon catcheur préféré de tous les temps, Eddie Guerrero, ce bon vieux Eddie, qu'est-ce qui nous manque, Six, Diamond Dallas Page, les Harlem Heat, Stevie Ray et Booker T, Five Time, champion du monde de la WCW, Scott Hall, Kevin Nash, les Outsiders, le géant, et quelque chose que je ne connais pas du tout, excusez-moi. Eric Bischoff, ouais, alors voilà, j'ai fait le petit code pour pouvoir débloquer tous les catcheurs, et c'est là que le jeu devenait intéressant. C'est d'ailleurs que vous débloquiez donc justement donc les personnages secrets. Vous aviez Eric Bischoff, Minjin Okerlund, c'est totalement incroyable d'avoir Minjin dans le jeu, Chris Jericho, c'est la classe, Disco Inferno, alors là c'est le petit combo de la honte que j'adore beaucoup, Bobby the Brain Heenan, hein, voilà, qu'on salue, qui, je pense toujours très fort à Bobby the Brain Heenan, qui passe des moments un peu difficiles, donc voilà, je le salue, Miss Elizabeth, tant qu'à faire, Sonny Uno, Ultimo Dragon, Conan, ouais, voilà, je le déteste, Conan, j'aime bien l'écouter par contre sur MLW Podcast, mais c'est vraiment le catcheur que je déteste le plus, Kimberly, qui est habillé cette fois-ci, Madusa, à savoir, bien sûr, Madusa, Alundra Blaze, Jacqueline, qui a été intronisée cette année au Hall of Fame, Steven Regal, William Regal bien sûr, Jimmy Hart, Rey Mysterio Jr. et Mongo McMichael. C'est quand même la grosse classe. Et après vous aviez donc des personnages totalement rocambolesques avec le Hoxer bien sûr et une vieille version du Stinger. Vous aviez même également l'arbitre puis oui. Et après c'était n'importe quoi. C'est parti totalement en couille, les mecs se sont lâchés, ils ont mis un alien, ils ont mis Tony Schiavone, c'est excellent. Randy Savage version originale. Et voilà. Et après ils se sont éclatés, ils ont mis n'importe quoi. Et c'est assez rigolo. D'ailleurs, on se fera peut-être un petit match. Et après ils ont dû mettre des développeurs, ils ont dû se faire plaisir, ils se sont dit tiens les mecs de développement on va les mettre dans le jeu, c'est n'importe quoi, voilà. Très bien, et autre petite chose voilà, qui était super avec les 16 catcheurs de base, vous aviez donc des petites promos à leur faire dire à l'écran, c'était tout sympa, regardez Eddie Guerrero. You better be ready to wrestle, cause you know when you're getting in the ring with Eddie Guerrero, it's gonna be high flying and exciting. Voilà, c'était super bien. Merci Eddie. Je me souviens totalement de celle de Kevin Nash qui était... pardon, excusez-moi. Kevin Nash qui était totalement bourré lorsqu'il faisait la sienne. Non mais laisse tomber Kevin, je crois que t'es bourré, je me pense que les mecs ils étaient à fond lorsqu'ils ont fait leur petit truc. Le Nature Boy Ric Flair, toujours fidèle à lui-même. Wouh!
Ah, c'est quand même la grosse classe. Il y en a quand même pas mal des pas mal chouettes. Il y a DDP aussi. Hey, Punky Boy. Ouais, je pense. Punky Boy. Hey, Punky Boy. Hey, Punky Boy. J'aime bien DDP. Bon, on va pas s'emmerder, on va quand même se faire un petit combat là pour la déconne. Je ne sais pas qui c'est que je vais choisir. Je vais prendre Scott Hall. Je vais prendre Scott Hall en dédicace à la prochaine émission de la fabuleuse histoire du catch américain de mes bons amis Norbert et Rabi qui sortira sur Scott Hall. Et on va aller s'affronter, je sais pas, on va aller se faire un petit kiff. On va s'affronter Chris Jericho, comme ça sera bien sympathique. Ah oui, nous sommes accueillis pour ce Tonight Special Event par Mean Gene Okerlund. Et sa belle moustache. Voilà. Vous allez voir, il n'y a pas de scène d'entrée. Voilà, c'est parti. On fait le catch. Voilà. Et là, c'est très simple. Hein, c'est très basique. Graphiquement, moi, je trouve pas ça si dégueulasse pour l'époque sur la PS1. Au niveau de la pixelisation, c'est pas non plus des trucs dégueulasses. On reconnaît bien les catcheurs. Si vous preniez à l'époque aussi WCW. Marteau pilon ici. Si vous preniez à l'époque WCW versus NWO versus The World, qui était sorti sur PS1, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli celui-ci. Même si il me semble qu'il est sorti avant les autres. Voilà, c'est. Bon. Voilà. On y jouera probablement également. Allez, on se fait un petit tombé là sur Chris Jericho. Vous voyez, pour l'instant, je vais peut-être changer de niveau de difficulté parce que je m'amuse très très bien beaucoup. Oh, le petit taunt. Oui, oh, c'était déjà les premiers taunt à l'époque. C'était la classe. Allez, hop, impeccable. La prise du maquis, une spécialité de Scott Hall, bien entendu. La tentative de tomber, hein, de dégagement. Wow, le joli... Oh, j'ai joli ciseau de tête, là, de la part de Chris Jericho, comme quoi. C'était déjà bien, bien sympathique. Wow, oui, les 10 punch. J'en ai fait que 2, on va en faire plus. C'est la classe, hein. Voilà, les petits coups de coude dans le coin. Il est déjà mort, Chris Jericho. Ouais, attendez, on va attendre qu'il se relève. On va le provoquer un petit peu. On va essayer de classer le Razor Z, je sais pas du tout comment on l'amène. Attends, ça doit être une combinaison du genre X rond X. Voilà, on y est, Razor Z, j'en ai beau. Poum. Le tomber. Je peux pas faire le tomber. Super, impeccable. Ah là là, mais reviens ici. Il veut pas venir. Allez, hop, on remonte dans le ring. Hop, très bien. Je sais même pas si on pouvait relever les catchers. On peut les relever. Je pense pas, je pense que je suis obligé d'attendre le retour de Chris Jericho. On va lui faire le tomber, on va gagner ce premier combat tranquillement, dégagement. Oh, dégagement, oui. Oh, je l'avais anticipé le dégagement, mais oui, c'est bien dégagé. Non, je veux pas sortir, voilà. Bon, voilà, le petit coup d'arpin, très bien. Victoire sur un coup d'arpin, ce serait magnifique. Deux, et dégagement encore, Chris Jericho qui résiste bien plus que ce que je pensais. Allez, on va peut-être l'avoir avec un elbow drop. YOLO elbow, n'importe quoi, la manière de... Bah on va faire le tomber là, tiens. Le YOLO elbow, la manière de Dean Ambrose, c'était beau. Et il se dégage encore. Qu'est-ce qui lui arrive à Chris Jericho? Je sais pas du tout comment on amène le follow slam. Ce serait bien d'amener un petit follow slam, là. Allez, Chris Jericho, on va le relever. Ah, ça... Non, là, je suis encore sur un coup d'arpin. Là, je suis sur une descente du coup. Et Chris Jericho qui préfère sortir à l'extérieur du ring. Très bien, c'est son choix. Le dropkick, il s'est esquivé. Oh, il a contré. Allez, hop, cette fois-ci, c'est bon. Le tomber, 1, 2, 3. Voilà, Stuttle a détruit Chris Jericho. Bon, pas beaucoup de difficultés hein, pour l'instant pour ce premier combat. Je vais peut-être aller changer ce niveau de difficulté et vous en faire un second. Bien fun. Voilà, Stuttle qui bat Chris Jericho, c'est bien, c'est WCW Nitro. Déjà, à l'époque, on se disait la WCW, ouais, c'est... En plus, 97, c'est vraiment la bonne période. Dommage que le jeu soit sorti avant Bill Goldberg. Ah, tu rajoutes Bill Goldberg à jeu, c'est la classe. Oui, on est en easy, là, on va se mettre en normal. Hein. Bon, on va corser un petit peu la difficulté. Il y avait du tag team. Ouais, exhibition tag team, on va se faire un petit match tag. On va voyager un petit peu, on va faire une équipe totalement cool avec Ultimo Dragon et Eddie Guerrero. Allez, hop, ça c'est bien. Et on va affronter une équipe totalement farfelue d'un squelette, oui, pourquoi pas, d'un squelette et d'un T-Rex. Allez, hop, on est parti. On s'en fout, on n'a plus aucune limite, aujourd'hui c'est cette catch et on est toujours... Old School Review, il n'y a pas de problème, on est en train de découvrir, donc du coup, déjà totalement... voilà, c'est ça y est, c'est parti, c'est n'importe quoi. Ouais, ça y est, je me fais dropkicker là par le sosie de la parka en réel. Et je dis déjà là le niveau de difficulté on sent c'est monté d'un cran hein. Là je suis déjà beaucoup plus en galère. Voilà, très bien, on va lui briser les os.
Oui, c'est très très moyen dans la vanne, hein, Sturi, tu m'excuseras. Non, 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 là on se fait totalement avoir. Je ne sais pas comment on contre, il faudrait que j'arrive à trouver le bouton de contre. Oh, le marteau pilon, bien vu! Voilà, il est là, le bouton de contre. Oh là là, attention. Il préfère aller à l'extérieur, et il nous... c'est le chat et la souris, là. Oh! Ah, on s'est fait avoir. Le squelette, là, qui est en train de reprendre l'avantage. Voilà, là, c'est bien joué. Le powerbomb, impeccable. Et je sais pas, je vais aller faire le relais avec Kili Guerrero. Laissez-moi faire le relais. Non, ça s'est raté. Ça s'est monté sur la troisième corde. Sturi part à l'extérieur. Oh! Oh! Il y a no selling, là! Il a pas voulu, il a même pas voulu vendre cette super descente du coude. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, oui, on s'est bien fait avoir, là. Une espèce de Tombstone Pile Driver, là, en tournant, en faisant un bon flip. C'était pas mal. Le T-Rex rentre. J'aimerais bien faire le relais avec l'ami Guerrero. Oh! Hé! Hey, arrêtez! Oh! Reviens ici, je me fais projeter par un T-Rex, qu'est-ce qui se passe? Oh! Hé! Hey, c'est interdit, ça, monsieur! Ils sont dangereux, là, ces nouveaux catcheurs là, de la WCW. Ça aurait peut-être fait de meilleurs ratings, d'ailleurs, s'ils avaient été là. Oh! Oh, powerbomb! Et il scelle même pas, le mec, dropkick dans ma face. C'est pas possible. Souple arrière. Oh là 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 là. Je prends très cher. Je prends très cher. J'aimerais bien qu'Eddie Guerrero rentre. J'arrive pas à le faire rentrer. J'arrive pas à le faire rentrer. Attention, le T-Rex là qui nous met une magnifique descente du coude. Oui, ça va. Powerbomb. Il va vendre un petit peu. Il va vendre un petit peu. Est-ce que je peux courir? Est-ce que je peux aller vers mon coin en courant? J'essaye. Oui, on l'a très bien. Impeccable. Voilà, le Powerbomb il est bien. Il est chaud, il est frais. Non, 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 non. Le relais avec Eddie Guerrero. Oui, oui, impeccable. Oh, oh, Eddie. Eddie, notre sauveur. Ah oui, magnifique, belly to belly souplex. La petite descente de la cuisse. Ah, il est frais, hein, Eddie Guerrero. Il a mis son beau bandana, là, la Rambo, on est bien. Ah, mince, le dropkick, on s'est fait avoir, là, par le T-Rex. Bon, Allez, Sturia, il faut reprendre un petit peu l'avantage, voilà, avec un joli coup d'arpin, un deuxième joli coup d'arpin, des petites droites enchaînées, là, oui, ça peut passer, là, je sors à l'extérieur du ring, c'était pas ce que je voulais faire. Il est trop loin, il est trop loin. Ah, le relais avec le squelette. Esqueleto, qui porte une magnifique souplesse arrière sur Eddie Guerrero. On était quand même beaucoup plus à l'aise sur le T-Rex tout à l'heure. Attention, encore une fois, là, c'est cette espèce de marteau pilon qui me surprend bien beaucoup. Attention. Oh, la botte. Il écrase la botte. Enfin, la botte. J'ai même plus une botte, là, c'est un pied. Dégagement, bien joué, Sturi. Attention, oh là là, magnifique. Belly to belly souplex, on s'est fait avoir. Attention, Eddie. Oui, le petit coup de pied. Et encore une fois, quelle prise. Incroyable. C'est plus un écrasement plutôt qu'un marteau pilon. Voilà, là, le... Oui, bien joué, le pal driver sur Bones. Il s'appelle Bones. Ils n'auraient pas pu choisir un autre nom. Ils l'ont appelé Bones, le squelette. Le marteau pilon, encore une fois, on s'est fait avoir. Allez, Eddie. Ah, Eddie, c'est fini. Eddie, là, qui est en train de se rencontrer, lui, plus tard. C'est la chaîne du non-respect. Le respect est mort sur ces sales 4, vous le savez bien. Alors, attention, qu'est-ce qu'il fait, le squelette, là? Non, c'est dangereux, le squelette, là. Oh, le dropkick. On s'est fait avoir. La tentative de tomber. 1, 2... Et 3, ah, on n'a pas réussi à battre. Putain, c'est le il est fan de Diamond Dallas Page. C'est n'importe quoi. On n'a pas su battre malheureusement Bones, en espérant avoir une meilleure chance sur le prochain combat. On va se faire plutôt un match simple, hein, pour la prochaine, pour le dernier combat. Enfin, de terminer cette petite session rétro sur WCW Nitro. On a fait un bond quand même de presque 20 ans en arrière. Allez, on va se faire plaisir. Je sais pas qui je vais prendre encore. Quitte à rester un petit peu dans le suggéré, dans le what the fuck, je vais prendre. Putain, il y a une abeille. Je vais prendre la. Non, je voulais pas prendre William Regal. Excusez-moi, je voulais prendre le. L'espèce de martien là. Roswell, là, on va prendre Grayling, voilà, il s'appelle Grayling. Très bien. Et on va affronter. Hulk Hogan, voilà. Ça va. Oui, ça va être totalement incroyable. C'est Hulk Hogan, si aujourd'hui il relance une promotion dans le catch, il fera combattre des martiens. Putain, il est fan de Scott Hall, le martien, en plus. C'est un peu la même tenue que Scott Hall, hein, excusez-moi. Hein. Oh! Aucun respect, là, de la part de Monsieur Hogan. Ah, j'arrive pas à lui enchaîner plus de coups que ça. C'est bon, le powerbomb à l'extérieur du ring. No selling, là, de la part de Hulk Hogan. Powerbomb, encore une fois, à l'extérieur. On a 40 secondes à l'extérieur. Hein. J'ai changé la configuration.
Oh là là, cette avalanche de coups de genoux là qui m'a bien surprise. Allez, là, qu'est-ce qu'il fait là, le martien là? Oui, voilà, très bien, je remonte dans le rig. Ça va être un peu plus sécurisant. Projection avec corde. Attention, powerbomb. C'est limite un powerbomb dans le turnbuckle. On va l'avoir. Bien joué, impeccable. Ah, dommage, j'étais un peu loin. Powerbomb à nouveau. Hulkster, là, c'est compliqué. Il y avait également aussi, il me semble bien, un code, un cheat code pour pouvoir débloquer des arènes particulières. Il y avait une arène disco d'ailleurs qui était super cool, puisque les catcheurs, quand vous y êtes, taunt, s'arrêtaient et faisaient un super YMCA. Et pendant que je vous racontais ça, il y a eu un magnifique spinning wall kick de la part de Bulk Hogan. C'est assez, oui, c'est assez déroutant. Hulkster, je suis en train... Et putain, il m'a fait sa descente de la cuisse. Je l'ai pas vendu une seconde. Non-respect, quoi, Hulk Hogan. Attention, sur un... Ah, sur un brise d'eau. Ouais, dégagement contre de deux, bien joué. Allez, projection de quoi? Ah, je me fais malmener. Hein. Et encore, magnifique, belly to belly souplex, qui rendrait tellement fier quelqu'un comme Shane Douglas. Deux, et trois, voilà. Ouais, bah, victoire de Hulkster, là, qui a changé de finish pour l'occasion, qui fait ses postes plastiques habituels, et qui remporte une victoire totalement incroyable. Bon, c'est très répétitif, c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond. Après, dès lors que vous montez quand même dans les niveaux de difficulté, oui, il y a quand même un gros fossé entre la difficulté déjà facile et moyenne. Je veux pas vous expliquer ce que ça doit être au niveau dur, mais ouais, en effet, c'est quand même pas mal. Il y avait un mode tournoi qui consistait tout simplement à enchaîner des matchs, voilà, et à débloquer une cinématique particulière quand vous remportiez donc du coup un tournoi avec un catcheur, qui était tout simplement une cinématique, voilà, du catcheur dans sa vie réelle. Vous débloquez un petit clip vidéo, et c'est tout en fait. Vous avez fait le tour, voilà, ça y est, c'est mieux pour faire appeler les petits combats d'exhibition quand vous êtes entre potes. En solo, vous faites le tour rapidement, sauf comme moi, quand vous êtes un gros fan de catch, j'ai dû y passer quand même, je pense, beaucoup d'heures. Bon, DDP, qu'est-ce qu'on dit pour terminer? Et qu'est-ce qu'on dit, Kevin Nash? Hop, il est là. I like the power bomb. Like me. Merci. Allez, je vous fais des gros bisous à tous, c'était Sturi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.